un truc à vous dire. On est 300 000. Je suis tellement contente. Mais vous êtes fous, mais vous êtes fous. Ça va trop vite, je vous jure, ça va trop vite. C'est incroyable, merci pour tout, je vous aime trop. C'est trop bien, je suis trop contente. Je pensais pas que ça allait arriver si vite. Ça fait même pas 2 ans, c'est en septembre que ça fera 2 ans que je suis sur YouTube. Enfin, à vous faire 2 vidéos par semaine en tout cas. C'est incroyable, je vous aime trop. Merci pour tout, merci, merci, merci. Ça me motive à vous faire plein de vidéos trop cool et de continuer de poster encore et encore. Vraiment merci beaucoup, je sais pas encore ce qu'on va faire pour les 300 000, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'hésite, je suis un peu perdue, mais croyez-moi, ça cogite là-dedans, et dans tous les cas, à chaque étape, je compasse des trucs, donc je suis hyper contente. Vous savez pas à quel point je suis contente. On va se poser dans la salle de bain, on va se préparer. Bon, j'espère que vous allez bien. Franchement, je suis dans un trop bon mood, parce que il fait beau tous les jours, il fait chaud tous les jours. Je vous ai pas mal parlé du fait que je voulais déménager, donc je pense qu'on a compris, et du coup, comme je vous l'ai dit en story, j'ai vu plein de réponses à mes stories de gens qui étaient dans la même situation, qui cherchaient des apparts, et apparemment, c'est facile pour personne, parce qu'il y a rien et tout est hyper cher. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire, ça peut être tellement stressant de chercher un appart. Franchement, là je sais que j'ai mon appart, donc je suis quand même beaucoup moins stressée que si vraiment j'avais rien. Mais l'année dernière, l'année d'avant, vraiment, enfin quand je déménageais, j'étais hyper mal parce que c'est toute ta vie, enfin c'est le plus important, là où t'habites. Donc franchement, je vous envoie tout mon soutien. Courage, activez les notifs sur sous-loger, vraiment, ça change tout. En tout cas, moi ça n'avance pas, je n'ai toujours pas visité d'appart, en tout cas à l'heure où je poste cette vidéo. Et en fait, là où je cherche Versailles, tous les apparts, il y a des apparts super beaux, mais alors la cuisine et la salle de bain, je vous jure, il y a rien, il y a même pas de plaque de cuisson, il y a rien, genre c'est vraiment pas comme si t'achetais un appartement et que tu le rénoves ou je sais pas quoi, genre là c'est pour y vivre direct, enfin bref. Donc franchement, il y a rien du tout, mais bon, on verra bien. Aujourd'hui, petite journée tranquille, j'ai quelques petits trucs à faire. On va aller à Paris tout à l'heure pour tester des petits trucs sympathiques, et il y a aussi d'autres trucs que je veux goûter, à manger et tout, enfin bref, je vous dirai ça tout à l'heure. Et j'ai vu un produit sur TikTok, je vous en parlerai après, enfin bref, que j'ai envie d'acheter. D'ailleurs, je vais tester une nouvelle crème solaire. Wouh! En espérant qu'elle ne me donne pas de boutons. A savoir que vraiment, il y a plein de gens qui me disent non, mais cette crème ne fait pas de boutons et tout. Il n'y a pas de crème qui ne me fait pas de boutons. J'ai acheté celle-ci en Corée qui me fait des boutons, donc je suis ravie. Et là, je vais tester la Caudalie. Là, je pense qu'on peut voir. Bah voilà, typiquement, quand je mets de la crème solaire, ça me fait des boutons comme ça. Genre bien rouge, plein de petits boutons comme ça. Et surtout, je pense que je suis une traumatisée de l'acné. J'ai eu de l'acné vraiment sévère. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Mais du coup, j'ai comme un espèce de traumatisme d'acné. Genre, dès que j'ai des boutons, j'ai l'impression que tout va revenir. Genre, c'est psychologique. Mais j'étais tellement mal dans ma peau. Alors que c'est pas justifié, quoi. Enfin, ça change rien. Mais psychologiquement, genre, c'est trop dur de le comprendre quand tu le vis. Bref, on va se crémer. C'est de la 50 et apparemment, la spécialité, c'est que ça protège les océans, enfin ça protège les océans, c'est pas nocif pour l'océan. Ah, elle a l'air bien transparente, hein. Imaginez, je le sais pas encore, mais j'ai trouvé la crème solaire de mes rêves. Moi j'aime trop les crèmes qui sont hyper glowy comme ça. Si c'est une crème qui me fait pas de boutons, mes boutons vont disparaître en quelques jours. Et si elle me fait des boutons, ça va empirer. Donc on va voir, par contre ça pique les yeux. Du jour, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. D'ailleurs, je vais d'abord regarder la température, 24 degrés. Donc, je pense qu'on va s'habiller assez léger. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je peux mettre ce jean que, en vrai, je mets tout le temps, mais je l'aime tellement. Il est ouvert en bas. Ah ben non, c'est pas lui. Il est ouvert comme ça en bas. J'aime trop ce jean. Vraiment, je suis totalement fan. Et je peux mettre un petit haut avec tout simple. Putain, j'ai fait une vidéo. J'ai trié mon dressing il y a 2 secondes et c'est déjà le bordel. Je vais mettre ce petit haut sans manche. Et voilà, tenue du jour. Franchement, je crois que c'est un de mes hauts préférés. Je le mets avec un soutien-gorge sans bretelles. J'adore, j'adore, j'adore. Le jean ouvert, les arigato. La paire de chaussures la plus mise de ma vie. Je les mets tous les jours. Du coup, j'attends Jérémy. On va aller à Paris pour tester des petits cocktails. Mais on va aussi faire quelques petits achats aujourd'hui. Parce que moi, j'ai besoin d'aller à la pharmacie. Mais du coup, autant aller à Paris parce que ça doit être des plus grosses pharmacies avec plus de produits. Il y a aussi un truc que j'ai trop envie de goûter. J'ai très peur qu'il y ait beaucoup trop de monde devant et qu'on doit faire la queue pendant 10 ans. Mais on va quand même le tenter et puis voilà, on va aller se balader. Petite après-midi au soleil avant la canicule, qu'on ne puisse plus sortir de chez nous. On est arrivé, on est à Opéra. On va aller goûter un truc qui a genre de ouf partout sur TikTok.
TikTok. C'est un mix entre un cheesecake. Non, ouais, non, la texture. C'est la texture d'un pancake, ouais. Et le goût d'un cheesecake. C'est exactement ça. Et on avait goûté un truc du genre à New York et c'était, quand je vous dis excellentissime, c'est que c'était excellentissime. Et en fait, là, il y en a un qui vient d'ouvrir à Paris. Donc, on va y aller. Il fait trop beau, c'est trop cool. Paris, c'est tellement 10 fois mieux l'été. Il y a moins de monde, il y a du soleil, il fait chaud. Il y a un meilleur mood global, je trouve. Ça s'appelle Takumi. Trop beau. On dirait Cédric Rollet. Oh my god. J'ai envie de tout acheter. Il va le démouler. Alors là, je filme ça. Oh my god. C'est pour me tuer. Oh là 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 là. Andy, A-N-D-I-E. Ça, c'est votre ticket pour venir le récupérer tout à l'heure. On a eu chaud, il en reste, mais du coup, il faut les réserver. Et on a payé, c'était 14 euros. On va le récupérer dans 40 minutes. Donc, en attendant, je vais aller à la pharmacie. Je cherche un produit. En gros, j'ai vu ça sur TikTok. Je vais pas vous mentir. En fait, j'ai un truc sur les bras. C'est genre mon plus gros complexe, en vrai. Genre, mes bras sont hyper rouges. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quoi ? C'est râpeux. Râpeux, non, ils sont pas râpeux. J'ai vu sur TikTok une fille qui disait si vous avez tel problème, achetez ça. Si vous avez tel truc, achetez ça. Et en fait, elle a montré un produit en pharmacie, celui-là. Et du coup, ça fait plusieurs jours que je me dis, putain, j'ai trop envie de tester ce produit du coup, parce que en vrai, si ça peut améliorer, je serais trop contente. Donc, on va aller acheter ça. Et je vais aussi acheter du nettoyant visage parce que j'en ai plus. C'est un La Roche-Posay. Comme ça, je refais mes petits stocks avant l'été. Merci. Bonne journée, au revoir. C'est un fail. J'ai pas trouvé. C'est un Eucérine. Il y a pas cette marque. C'est une française qui a fait ça. Mais oui. Non. Los Angeles. Non. Eucérine, j'ai déjà vu cette marque, mais du coup, c'est sûr que c'est en pharmacie. Mais du coup, j'ai quand même acheté mon nettoyant visage, La Roche-Posay. C'est l'heure d'aller chercher le cheesecake. Il est déjà tard, hein, 18h. Et ouais, et dire qu'après, il faut aller tester. Après, il faut aller tester tous les cocktails de la ville. Finir à Capal. Ouais, on va finir complètement fatigué. Tranquille. Non, en vrai, deux cocktails, ça devrait aller. Non, j'ai si faim, je pourrais tout manger. Bah, je parle toute seule. Merde. Let's go. Merci. Au revoir. C'est ouf parce qu'on a vraiment des endroits dans Paris pour toutes les vidéos un peu dégustation de trucs où se poser. Là, on y va. Et voilà. C'est confinement, il y a fort en bah ouais, mais ça va, on se pose là. Tu veux faire quoi? Tu veux passer un petit coup d'aspi? Alors viens, on s'assoit. Jérémy, c'est vraiment le plus gros forceur de cette table. Unboxing. Il a un drap mieux que mien. Il doit être. Oh my god, ça a l'air trop bon. Oh, oh my god, vous voyez ce que je vois? Oh, putain, la texture elle est incroyable. Mais c'est énorme, il y en a trop pour. C'est incroyable. Ouais, c'est genre nuageux. Ah ouais, non, mais c'est genre faut trop que vous goûtiez. Hein. Souvent on teste des trucs en Paris et tout, c'est un peu des trucs revisités ou juste parce que c'est à la mode. Là c'est vraiment très très bon, genre ça vaut le coup de se déplacer, ouais, pour en acheter hein. Un. Dessert, ouais, un vous dîner. Êtes invité quelque part ou je sais pas, vous ramenez ça, c'est incroyable. Mais c'est indescriptible comme texture. Ça a quand même un peu la texture du cheesecake. C'est quand même la texture du coffee pancake. Ouais, c'est vraiment ça. C'est entre le coffee pancake et le cheesecake. Je sais pas, on peut pas faire meilleur comme description. On mange ça comme des cochons. Ouais, par contre c'est honteux, c'est la honte. J'espère que la personne qui a préparé ce beau petit gâteau ne voit pas ça parce que ça me ferait mal au cœur. Ah bah là, c'est ça. Je suis un peu sous le choc. Bon, là, je vais mourir. Voilà. Là, ça y est, ça commence. Je me force. Je me force. Regardez-le. Je me force. La moitié du. C'est vraiment mon terre. Non, mais le plan là, il est dégoûtant. On l'a détruit. Ah, on est dégoûtant. C'est trop bon. Unbelievable. Il y en a plus. Je suis un peu choquée. Pour un mec qui se force, tu grattes bien quand même. on a pas d'eau par contre. Oh putain. Je pourrais boire 10 litres d'eau. Ah, bah, il y a de l'eau là. Ah, tu me dégoûtes. Je vais pas prendre cette petite bouteille d'Evian. De quoi? Il faut bagager. Franchement, c'était trop bon. Donc je recommande grave. On enchaîne avec les cocktails. C'est quand même le sujet de la vidéo. En vrai, je voulais trop refaire un petit je teste à Paris. Mais d'habitude, c'est souvent quand même le sujet de la vidéo. Genre toute la vidéo, je suis dans Paris en train de tester plein de trucs. Et là, j'avais envie de faire un truc un peu plus chill. Mais dans le thème, je me suis dit genre qu'est-ce qu'on peut faire là? Il fait chaud. À part manger des glaces. Mais je l'ai déjà fait. Je voyais pas trop. Et je me dis les cocktails. Genre là, t'es vraiment dans un mood. T'as envie de sortir, voir du monde, d'aller en terrasse et tout. Donc on a un petit peu cherché genre le meilleur. On est en mode qu'est-ce qu'on fait, le meilleur, le plus original, le plus cher. On a fait un mix de tout. Donc on va aller tester deux cocktails, enfin deux endroits. On va aller tout de suite maintenant parce qu'on est à côté à pied au Crayon. C'est un hôtel où là-bas ils font des cocktails apparemment genre excellent. Tu peux pas dire que c'est un hôtel là. Oui, c'est un palace, c'est un palace. C'est un hôtel, deux étoiles et demi. Le seul petit hic, c'est que c'est vraiment, c'est pas un palace, c'est un palace. Et regardez juste comment je suis habillée. Je suis enchaînée sans dormir sans.
Ils vont me recaler. J'avoue, on n'a pas l'air de... Après, on peut faire touriste. Good morning. Good morning, toi tu dis good morning alors qu'il est 18h, il y a un problème. Parce que je suis déjà habillée. T'es vraiment trop bête. Et après la deuxième adresse, ça change complètement de mood. Je ne vous dis pas encore, on verra. Mais on va aller tester les petits cocktails. Moi j'annonce quand même que mon cocktail préféré de tous les temps, c'est le Pornstar Martini. C'est un cocktail avec de la vodka, du champagne, de la vanille, du fruit de la passion. C'est absolument incroyable. Je suis pas hyper cocktail en vrai. Genre par exemple quand je vais manger, je vais plus prendre peut-être du vin à la rigueur pour un Pornstar Martini. Mais genre je suis pas très mojito. Un truc comme ça, vraiment c'est trop sucré pour moi. Genre je suis chiant dans le cocktail. Je pense que je suis la bonne juge pour les cocktails. On est arrivé. On va se faire recaler. Ok, on s'est pas fait recaler. J'ai pas filmé l'entrée parce que je me suis dit ça se trouve ils vont nous dire non juste à suite. Et une caméra. C'est trop beau l'endroit. Et en plus ils nous ont présenté la carte des cocktails. C'est un délire. Regardez juste comme c'est beau. On se croirait genre au château de Versailles. C'est trop beau. D'ailleurs si vous avez un date, bon bah je pense qu'il faut vendre un rein, mais on sait jamais. Faut être sur du date. Ouais. C'est combien? 27€ le cocktail pour l'endroit. Bah, déjà Paris c'est très cher. L'autre jour je suis allée au resto avec une copine. J'ai payé 20€ mon Pornstar Martini. Je me suis dit c'est une blague. Donc là 27, du coup la différence n'est pas énorme. Après ça reste un coup, un beaucoup quoi. Je pense que ça vaut le coup du coup de prendre un personnalisé chacun. Comme ça on en goûte deux différents. Et on goûte, on prend un Pornstar Martini et qu'on partage. Putain ça va nous assommer hein. Est-ce qu'on vous a conseillé un petit peu sur la carte? Donc si c'est pour un vlog ou autre, c'est Blue Man Wild et Selena. Ok super. Merci. Ok. Merci beaucoup. Celui-ci c'est le vodka savoir à la pomme. C'est ça. Petits olives et vodka. Merci beaucoup. Regardez, on dirait trop les trucs de liégeois. Genre là si je coupe en bas, on dirait un yaourt. Sur la tête de ma mère, regarde. Ah j'avoue. Alors moi du coup, c'est de la vodka avec de la pomme, safran, rhubarbe. Ok. Moi c'est du gin avec du strawberry, berry wine et dandelion. Tu goûtes d'abord, vas-y goûte. C'est fort. C'est alcoolisé. Tu sens que c'est des alcools. Ok, go goûter le mien. C'est tellement bon. C'est le genre de mélange que jamais j'aurais goûté. Enfin, genre le goût, j'ai jamais goûté ça. C'est trop bizarre. Franchement c'est grave. Mais j'ai jamais goûté ça. Je me dis si les cocktails comme ça sont aussi bons, je veux trop goûter un Pornstar. C'est ça un truc. C'est que du coup je teste vraiment plein de Pornstar Martini. Et quand je vous dis qu'il y en a rarement des bons, c'est réel hein. Même dans des trucs où je paye hyper cher. Et en fait le shot de champagne, déjà ça prouve que c'est le vrai Pornstar Martini. Il n'y a pas tout le monde qui le fait. En fait t'es censé normalement prendre une gorgée de champagne et une gorgée de cocktail. Normalement ça se boit comme ça au fur et à mesure. Et après les flemmards ils le versent un peu dedans tu vois. Mais normalement tu le bois correctement quoi. Ouais déjà là je peux pas. Et en plus j'ai envie de faire les choses bien donc on va goûter. À tout moment là c'est le meilleur Pornstar Martini de ma vie. Et genre je suis obligée de venir ici pour en boire. Non je rigole, je crois jamais ça. Ok, on goûte. Non c'est trop bon. J'ai genre une glace. Je suis vraiment décidée. Ouais. C'est excellent. Ouais, c'est trop bon. Mais par contre, hâte de voir dans quel état on va ressortir de cet endroit. Là, on est censé aller dans un deuxième endroit avant de dîner. Hein. Mais mes deux verres sont encore pleins. Ils doivent trop me juger parce que je prends genre un verre. Ok, bon, c'est problématique. Ils vont nous offrir des shots. Mais moi, j'ose pas leur dire qu'on a un deuxième endroit où aller. Mais là, du coup, on fait quoi? On est obligé de le boire. Et apparemment, c'est un autre cocktail, mais en version shot quoi. Sinon on va manger entre temps. Ah non, non. On est dans la merde. Elle est dure là, les autres côtés. J'ai l'impression qu'il est 4h du matin. Juste à côté de l'autre bar à cocktail. Je parle pas fort parce que c'est hyper gênant. Genre je me dis imaginez je hurle en mode. Alors on est dans notre test de bar et genre ils entendent parce qu'il y a pas beaucoup de bruit dans la rue. On va les tester tout simplement. Et ça s'appelle comment? Solera. Et mon bouton il s'appelle comment? Soleri. Alors cocktail signature. Ça a l'air bon. Ouah les verres ils sont trop mignons. Pure coco. Ouah comme en Thaïlande. Mais avec des trucs en plus. Bon mais franchement ils ramènent l'escargot. Moi je suis dans un état où j'ai un fou rire pendant 45 minutes. Putain mais j'ai trop envie de prendre ça mais c'est plus basique. T'as le bail. Ah ouais? Bah oui t'as ça avec. Ok moi je prends ça alors. Soit je prends le mojito thaï, soit je prends la noix de coco. Noix de coco. Vas-y. J'aurais besoin également que vous frottiez un petit peu la lampe. Comme vous le sentez. Ok. Et pour ce qui s'agit du vœu, ce génie il est un peu capricieux. Il en offre qu'un seul, c'est le fait que le cocktail soit bon. Ok. Merci. C'est trop mignon, il y a... tu fais quoi? Il y a vraiment chaque cocktail a sa petite présentation, son petit verre.
C'est bon? C'est vrai? Ok, je vais goûter d'abord le sien. Il y a quoi déjà dedans? Jus de coco, enfin, de coco, vanille, Madagascar, je sais pas. C'est hyper bon. T'as vu? C'est un dessert. C'est trop bon. Ah mais c'est hyper bon, je suis choquée, le goût est ouf. Moi il faut goûter mire, moi c'est genre un peu en mode jus détox. C'est trop bon. C'est frais. C'est dans les meilleurs cocktails de Paris. Les meilleurs cocktails de Paris. Ça sort dans les meilleurs cocktails. Les cocktails sont extrêmement bons. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Je pense que j'avais peur que ce soit un peu trop tout misé sur la présentation et l'endroit. Mais là c'est très très bon. J'aime bien quand je teste deux ou trois moments différents. Mais par contre c'est pas très cher hein, du tout pour des cocktails comme ça. 14 euros. Ouais, c'est la moitié du prix presque de ceux qu'on a vu juste avant. Du coup, est-ce qu'on demande un Pornstar pour comparer? Tu veux? Bah ouais. Nous avons notre martini avec des petits cœurs. Et on a le petit shot. On va goûter. Je vais être honnête. Il est vraiment trop bon. C'est moins sucré, c'est plus fort. Mais c'est tout aussi bon, je peux t'expliquer, que l'autre. C'est fort, l'avant est très fort. Toi, tu vas préférer l'autre, je pense, parce que tu préfères quand c'est plus sucré. Je me retrouve encore un là, c'est vraiment de qualité et tu sens que c'est des passionnés. Hein. Ça, c'est ça. Je suis trop contente. Franchement, quand je fais des adresses comme ça et du coup, je les montre en vidéo, je sais c'est le meilleur que tu peux aller dans des adresses genre pas ouf, des chaînes, genre des trucs, ça me plaît pas. Si jamais je vous dis au revoir et que c'est pas ce soir, ça peut te dire. Si genre demain matin, je vous dis bon, hier, on est rentré. Ça, c'est typique. Ça y est, on est sorti. Il est 21h. 22h. Franchement, c'est trop cool. 22h, non. Quelle heure? 21h40. 21h40. Franchement, c'est trop cool. Il fait encore jour. Je ne réalise pas. Tu dis que t'es morte? Non, je suis pas. Franchement. Elle arrive même pas à parler. Non. Heureusement que t'as mangé un gâteau monstrueux avant. Ouais. Non, franchement, le bar à cocktail était très bon. très bon. Surtout, les serveurs étaient très gentils. Et ça se voit que c'est des gens passionnés. En vrai, c'est. Je vous ai dit, vraiment, c'est ce que je préfère dans les vidéos. Donc, c'est clairement validé. On a regardé vite fait sur Google, genre où manger, parce qu'on avait faim à côté et on a vu genre un italien juste là. Qu'est-ce qu'on va manger? Putain, moi je pourrais manger une pizza, hein. Franchement, c'est le meilleur combo. Tu bois quelques cocktails, tu manges une pizza, tu vas dormir. On a pris la même pizza. J'en ai mis une demi-tonne. Mais j'adore le piment. Peut-être. Un futur. C'est pas qu'on la voyait. Mais ça m'arrache pas bien. Tu l'as en tu changes tes batteries, tu. Non mais attends. Mais attends, t'as mangé une de mes parts, tu pouvais pas. Mais attends. Regardez juste ma pizza. T'as mangé une de mes parts, sur la. Non mais ok. Mais j'ai jamais plus rien. T'as abusé. Ouais. Bizarre. Sérieusement, c'est une des meilleures pizzas que j'ai jamais vu. C'est la vidéo des bonnes adresses. Moi j'ai un truc comme ça, bah tu vois, je marche à tous les jours. Comme prévu, je n'ai pas fait l'outro en rentrant à la maison. J'étais fatiguée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai trouvé ça très cool de vous faire ça. J'ai passé un bon moment, on va pas se mentir. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Activez le notif pour pas les louper. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Insta parce que je suis active vraiment tous les jours. Le lien est en barre d'infos, comme d'habitude. Et on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Mouah.